j'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous. Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui, ton cousin. Trop cool, ton déguisement. Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue, ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Ouais, Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons ou la vie? Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Non, oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la pousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur... C'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi, maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, comptant les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Oh. Ah, c'est nul. Oh. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils. Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. Super! J'ai réussi, merci Sorette. Ouais, c'est tout naturel. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la terreur, à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman? Oh. Maman? T'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards!
Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Comme Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'il nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose. Tu connais maman mieux que nous. Ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Avec le grand méchant ogre, deux pour le prix d'une. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle.
Ah!